الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد mes chers frères aujourd'hui exceptionnellement la khutba aura lieu entièrement en français. Pourquoi? Car il y a des choses à dire qui peuvent demander un certain temps. Et j'ai peur que, en traduisant ce que j'ai à dire dans les deux langues, je n'ai pas assez de temps pour tout dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui je ne parlerai qu'en français. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela? Vous savez tous, mes frères et sœurs, qu'il y a de cela quelques jours, un journal qui est vendu en France a caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a engendré de nombreux événements et ce qu'on appelle des bouleversements médiatiques. Il y a eu une coalition, qui s'est formée pour défendre ce genre d'atteinte à notre foi et à notre religion. Mais on entend souvent de la part des imams ou bien des prédicateurs, pas tous mais certains d'entre eux, dans ce genre d'événement, on entend des réactions assez exagérées et des indications assez ambiguës. Et il est important pour le musulman de savoir comment agir dans ce genre de problème. Mais avant de répondre à cette question, je voulais profiter de ce privilège et de cette occasion qui est la mienne de pouvoir parler sur un minbar devant les musulmans et que cette voix qui est la mienne est enregistrée et diffuser même sur internet et autres, saisir cette occasion pour faire écouter à ceux qui veulent l'entendre la voix, inshallah, de la raison, pour faire écouter à ceux qui veulent l'entendre la réalisation et l'application de cette fameuse expression française qui dit combattre le feu par le feu. On entend aujourd'hui, quand on regarde aux informations, les informations, tout le monde se lever du côté de ce journal, de cet hebdomadaire, et de dire la liberté d'expression est le droit ultime des Français et même des êtres humains de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent sans craindre quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. C'est ce que vous dites. Eh bien, nous sommes les produits, mes chers concitoyens, de votre éducation. Je suis né en France, je suis né en France, et depuis la maternelle jusqu'à l'université, j'ai étudié en France. Et c'est en France que j'ai appris la communication, c'est en France que j'ai appris à me servir des médias, que ce soit la presse, la vidéo ou encore l'informatique. C'est en France que j'ai appris à suivre un peu les courants politiques. C'est en France que j'ai appris à écouter les critiques
des journalistes les uns envers les autres, ou encore même des politiques les uns contre les autres. Je n'ai pas été dans le fin fond de l'Afghanistan, ni au fin fond de l'Arabie Saoudite pour apprendre cela. Cette khutba que j'ai entre les mains, que vous allez entendre tout de suite, je l'ai faite en passant quelques heures sur Internet, seulement dans des sites français, faits par des Français et qui sont reconnus unanimement par les Français. Des sites qui citent leurs sources et qui sont vérifiables. Et pour ceux qui voudraient des renseignements, ils sont disponibles, pas de problème. Quelqu'un de simple comme moi a pu faire une recherche assez, je l'espère, pertinente pour prouver à quel point ce qu'on entend ici et là est faux. Et je tenais à faire une légère remarque à certains de mes frères qui ont peur de ce genre d'investigation, car ils croient qu'on vit encore dans le Maghreb dans les années 50. Mes frères, wallah, regardez un peu la télé, et quand vous voyez à quel point les gens qui y passent ont une audace sans limite à l'égard de tout le monde dans ce pays, tout le monde y a droit, des plus grandes personnalités politiques et scientifiques aux soi-disant personnes qui alimentent la vie médiatique. Tout le monde se fait insulter, tout le monde se fait critiquer, du président de la République au plus bas des fonctionnaires. Tout le monde. Alors pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'en faire autant? Mais je vous rassure, je vais insulter personne. Je vais insulter personne, pourquoi? Parce que l'islam nous a enseigné que le musulman n'est pas injurieux, le musulman n'est pas grossier, le musulman n'est pas vulgaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné cela, comme on va le voir dans la deuxième partie de la khutba, inshallah. Charlie Hebdo, mes frères, ce magazine satirique qui soi-disant, se sert de l'humour et de la satire pour faire passer des messages. Donc là, ils nous sortent un magazine qui a soi-disant à la une caricature du prophète alayhi salatu wassalam. Quelle est la cause qui justifie cela selon eux? Le fait que le parti Al-Nahda en Tunisie soit passé après les premières élections. Alors ils disent, on va fêter les partis islamistes tunisiens et sa proclamation, ainsi que la parole du porte-parole de la Libye, qui a dit qu'ils allaient choisir la charia comme loi principale en Libye. Alors sous prétexte soi-disant, on va fêter cet événement en bâtissant Charlie Hebdo, Sharia Hebdo, et en mettant à la une de ce journal une caricature du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand vous ouvrez ce journal, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire parce qu'il a disparu des kiosques, bien sûr tout le monde l'a acheté, eh bien on trouve des dessins caricaturales qui insultent l'islam et les musulmans. Et ça passe sous la gouverne de l'humour. Et tout se passe bien avec la protection de la liberté d'expression. Mais savez-vous, mes frères, que ce n'est pas la première fois que Charlie Hebdo fait cela. Savez-vous, mes frères, rappelez-vous, mais malheureusement, nous, quand on regarde la télé, on fait que zapper à la recherche d'un programme bidon qui sert à rien, d'un match de foot, ou encore d'une série ou un film. C'est ça qui nous intéresse, nous. Mais regardez les informations, non, ça fait perdre du temps et c'est ennuyeux. Mais vous savez que la première fois que Charlie Hebdo a sorti les caricatures dans son journal, c'était en février 2006. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié les caricatures danoises qui ont fait un remous sans précédent sur Terre. Et soi-disant, par mesure de solidarité envers ce journal européen, ils ont choisi eux aussi de les éditer et de rajouter des dessins faits par eux-mêmes en 2006 déjà. Aujourd'hui, ça fait presque 6 ans. C'était en février. Dans 2 mois, ça fera 6 ans. 3 mois. Bien entendu, les organisations musulmanes, telles que le CFCM ou bien la Ligue mondiale islamique, portent plainte et demandent à ce que le numéro soit retiré des kiosques. Mais la plainte n'aboutit pas à cause d'une formule magique qui a été inventée par le droit qui s'appelle vice de procédure. Et ceux qui ont un minimum de connaissances en droit savent de quoi il s'agit. Vice de procédure. Mais à l'époque,
Le président qui était Jacques Chirac a condamné ces publications en citant que c'était des provocations manifestes. Des provocations manifestes. Mais en France, on aime le courage de Charlie Hebdo et on ne se contente pas de l'aimer, mais on le remercie. Saviez-vous qu'un mois après l'apparition de ce magazine, le 15 mars 2006, le ministère de la Culture organise une soirée en l'honneur du dessin de presse pour saluer les dessinateurs et caricaturistes après l'affaire en question. Plantu, la'anatullahi alayhi. Kabu, la'anatullahi alayhi. Volinsky, le plus jeune Satouf, Jules Charles et Luz, la'anatullahi alayhim ajma'in. Tous les dessinateurs de Charlie, tous les dessinateurs de Charlie sont particulièrement salués. Ils sont particulièrement salués. Un hommage fut adressé aux caricaturistes. Un hommage fut adressé aux caricaturistes. Et ici, on entend le directeur du cabinet du ministre, qui se nomme Henri Paul, qui affirme, de la part de, concernant ces dessinateurs-là, leur statut d'acteur de la liberté. Et il dit que cette soirée est une occasion d'apprendre la création d'une mission pour la conservation et la valorisation du dessin de presse. Voilà comment on estime, comment on honore ces dessinateurs en France. Mais c'est pas fini. Une année plus tard, en 2007, toujours en février, ils aiment bien le mois de février, Charlie Hebdo remet ça en publiant deux des caricatures de Mohammed, enfin de Mahomet, pour pas dire Mohammed, parce que c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il publie à nouveau les caricatures du journal danois. Et cette fois, ils font la une du journal avec un dessin fait par eux-mêmes, par Kabu, pour les anciens qui ont regardé le club de Roté quand on était petit, vous vous souvenez? Il y avait un dessinateur qui dessinait des bonhommes pour faire rire les enfants. C'était qui? C'était Kabu. Kabu déjà à l'époque, il vous faisait rire quand vous étiez enfant, et en même temps, il dessinait ces choses-là pour Charlie Hebdo parce que ça fait longtemps qu'il est là-bas. Petite parenthèse. Kabu, qu'est-ce qu'il fait? Ce Khabith, ce Sourlouk, il dessine un homme qui soi-disant représente le prophète, alayhi salatu wassalam, en train de se couvrir le visage comme s'il était triste et en train de dire « C'est dur d'être aimé par des ces trois points de suspension, des abrutis. » Parle de nous, bien entendu. Un an après, on recommence. Et encore une fois, le CFCM et d'autres organismes portent plainte, mais encore une fois, aucun résultat. Et quand on analyse un peu l'évolution des ventes de ce journal, Charlie Hebdo, et tout ce que je vous dis, c'est disponible sur Internet. Analysez un peu. On a fait l'économie aussi. Grâce à Allah, on a fait un peu d'économie, un peu de gestion, un peu de comptabilité. En France, dans l'éducation nationale française, au lycée et à la fac, on était assis dans un prof d'économie de gestion qui nous expliquait un peu ces choses-là. On a appris à analyser l'évolution économique d'une société. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On remarque début avril 2010 que Charlie Hebdo fait appel à un prestataire de service. Pourquoi? Afin d'optimiser sa diffusion et limiter les retours. Il y a un mal. Ils vendent moins qu'avant. D'ailleurs, quand on regarde aussi le nombre de tirages qu'il y a du magazine, c'est hâtif. Par exemple, en 2006, ça allait bien pour Charlie Hebdo. Régulièrement, donc le journal il sort toutes les semaines, régulièrement le journal est tiré à 140 000 exemplaires. Ça c'était en 2006. Pour le 8 février, jour de la sortie du premier magazine dans lequel se trouvaient les caricatures donc danoises, 160 000 sont publiées et vendues. Alors que sur les 140 000 qui sont publiées hebdomadairement, il n'y a que la moitié à peu près qui est vendue. Sans compter les abonnés. Parce qu'il y a ce qui est vendu en kiosque et il y a ce qui va directement chez les abonnés. Ce qui compte dans les tirages vendus. Donc en 2006, 160 000 sont publiés. 20 000 de plus que ce qu'ils font toutes les semaines. Et toutes les semaines autres, il y a la moitié à peu près qui vient chez eux. Cette semaine-là, il n'y a rien qui est revenu chez eux. Alors qu'ils ont sorti beaucoup plus que ce qu'ils sortaient d'habitude. Mais attends, c'est pas fini.
Les gens se redemandent encore. Alors il procède à deux réimpressions pour atteindre 400 000 exemplaires vendus pour ce numéro-là. 400 000 exemplaires vendus pour ce numéro-là. Quand on regarde un peu dans le temps, en avril 2001, les ventes du journal se situent autour de 48 000 exemplaires hebdomadaires. Ça veut dire 48 000 sur les 140 000 qui sortent toutes les semaines, il y en a 48 000 qui sont vendus. Et sur les 48 000 qui sont vendus, 12 000 vont chez les abonnés. C'est pas des gens qui se dépassent dans les kiosques pour acheter le magazine. Ils arrivent directement dans leur boîte aux lettres. Aujourd'hui, en 2011, alors, en fonction des hauts et des bas économiques de la société, de Charlie Hebdo, donc les tirages, le nombre de tirages, il est revu soit plus ou moins à la baisse ou bien à la hausse. Avant que le dernier numéro ne sorte, début novembre, le tirage habituel de l'hebdomadaire satirique est de 75 000 exemplaires. 75 000 exemplaires. Et toutes les semaines, ils en tirent 75 000. Et sur les 75 000, il y en a 48 000 qui sont vendus. Donc les 75 000 qui sont sortis, ils sont vendus pour le dernier là. Ensuite, on en ressort encore 100 000. D'autres sources disent 110 000. Ils sont vendus. 75 000 plus 110 000, 185 000. Les gens en demandent encore. Et le jour d'après, c'est sur 3 jours. Hein. Jeudi, vendredi, samedi. Et le dernier jour, samedi, 75 000 encore sont sortis. Et tout est parti. J'ai même trouvé, regardez sur Le Bon Coin, le site connu par tout le monde, et tu tapes Sharia Hebdo. Tu vas trouver des gens qui ont acheté le magazine pour le revendre. Il y a des gens qui le proposent à 30 euros, 40 euros parce qu'il est utilisé. J'ai même trouvé quelqu'un qui vend ce magazine-là, soi-disant il n'a pas été ouvert, il est encore dans son plastique, et il est signé par un des dessinateurs, comme par hasard. Vous savez combien il le demande? Combien il demande? Il demande 5000 euros. Il demande 5000 euros. Allez sur Le Bon Coin s'ils n'ont pas encore enlevé l'annonce. Vous verrez par vous-même. Mais étrangement, comme je disais tout à l'heure, Charlie Hebdo, avant tout ça, ils avaient des problèmes de gestion. À un point où, en 2010, le 9 juin, le magazine passe de 2 euros à 2,50 euros. Aussi, Charlie Hebdo, soi-disant, comme il prétend défendre la liberté d'expression et dire ce qu'il veut, il dit qu'il ne veut pas de publicité. Il ne veut pas être financé par des grosses sociétés qui pourraient leur imposer certaines limites. Alors ils ne mettent pas de publicité dans leur journal. D'accord? Par contre, depuis que cette histoire elle est sortie là, le directeur en chef de cette société, si on peut appeler ça comme ça, il passe sur toutes les chaînes. Pour ceux qui ne veulent pas la publicité, en veux-tu, en voilà. Il passe sur toutes les chaînes, il passe dans toutes les émissions, et il répète les mêmes choses. C'est un disque rayé. Il répète exactement les mêmes choses. Un coup de publicité aux frais de la princesse, on appellera ça comme ça. Donc, j'avais même trouvé sur internet toujours le partage des bénéfices pour chacun des dessinateurs du magazine lorsque les premières caricatures sont sorties en 2007. Et c'était des rentes confortables. Pour ceux qui veulent plus de détails, qui retournent sur internet, ils le trouveront. Donc tout ça se passe avec la bénédiction de la France, avec la bénédiction de soi-disant la loi française qui défend la liberté d'expression, avec la bénédiction des politiques. Carrément, le ministre de l'Intérieur a dit quoi? Après que leurs locaux furent brûlés par un cocktail Molotov, ils ont dit quoi? C'est un attentat. On a agi. C'est trop impressionnant les mots qui sortent de leur bouche. Ils ne se rendent pas compte du poids qu'ils ont, de l'impact qu'ils ont. Maintenant, tu jettes un cocktail Molotov dans un bâtiment, tu as fait un attentat. C'est bizarre, hein, parce que dans ma cité, moi, des cocktails Molotov, j'en ai vu voler. Et je pense que vous aussi, vous avez dû en voir voler. J'ai jamais entendu à la télé, c'était des attentats, ces trucs-là. Mais là, c'est devenu un attentat. Et pareil, tu les vois comme des victimes, ça qui est là, ils nous ont brûlé nos bâtiments. Un bâtiment tout fatigué, avec à peine 3-4 salles, rempli de paperasse. Ils en font une affaire d'État, alors qu'ils sont assurés, ils seront remboursés la semaine prochaine, pourquoi ils nous cassent la tête? Ils disent attentat. Il n'y a personne encore jusqu'à aujourd'hui qui est capable d'affirmer quelle est l'origine de ce crime. Et qui est à la tête de ce crime, vu que personne n'a revendiqué?
Qu'est-ce que c'est? On entend, j'ai regardé dans les journaux, le monde, libération et autres, les intégristes, les fanatiques, hein, les islamistes, directement ils donnent des noms. Qui t'a dit que c'était des islamistes? Qui t'a dit que c'était des intégristes? Qui? Où t'as vu ça? T'as des preuves, des empreintes digitales, t'as des photos, t'as des vidéos, t'as des témoins, t'as rien. Alors un jour, quand c'est les plus grandes personnalités de la politique, ils font tout et n'importe quoi, il y a toutes les preuves qui les accablent. Mais ils s'en sortent sans aucun problème. Et pire encore, quand ils sont blanchis, ben ils portent plainte contre ceux qui les ont attaqués pour diffamation. Normal. Là, attentat des terroristes, des intégristes, des fanatiques, des islamistes, et j'en passe et d'autres. Et après, tu les vois, on leur dit, une caravane de nomades qui passent de plein de télé en plein de télé en disant « Oh, ils nous ont brûlé nos locaux, mais c'est pas grave, après ils attendent que qu'on leur propose l'hospitalité comme ils ont fait dans la rédaction de Libération. » Et tout le monde dit « La liberté d'expression en France, elle est sacrée. » Alors je me suis dit quoi? Je regardais la liberté d'expression. Comment est-ce qu'elle est exprimée dans les lois, dans les textes de loi? Alors, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté d'expression est citée à l'article 19. Comme suit. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc là, jusqu'ici, ça va avec ce qu'il nous raconte. Ensuite, il est dit, c'est plus l'article, ça c'est des avocats qui parlent, si cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne spécifie pas davantage de conditions particulières ni restrictions à cette liberté d'expression. Cependant, un certain nombre de juridictions sous l'égide des Nations Unies et des pays y adhérents restreignent toutefois cette liberté en interdisant, écoutez bien, ils restreignent cette liberté en interdisant les propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse. Alors c'est simple, soit pour eux, l'islam n'est pas une religion, soit pour eux, ils ont fait une entorse à leurs propres règles et relevant de l'appel au meurtre qui sont des délits interdits par la loi. Donc ça, c'est des restrictions qu'eux-mêmes ont fait de leurs propres lois. On continue. Ça, c'était la Déclaration universelle. Maintenant, on parle de la Convention européenne. On est dans l'Europe. Donc l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 qui s'adresse à tous les États membres du Conseil de l'Europe, beaucoup plus large que l'Union européenne, dispose. Donc il y a deux articles. Le premier dit: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Première loi, ça va dans leur sens, c'est pas de problème. Deuxième article. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. Et on arrive là à la protection de la santé ou de la morale. Je finis, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Je reviens à ce petit point-là, à la protection de la santé ou de la morale. Le mot morale en France, ou bien le mot éthique en France, c'est ce qui a remplacé ce qui avant le religieux. Vous savez, avant la France, c'était catholique. Ça faisait partie du pouvoir, d'accord? L'exécutif, le législatif et le religieux. C'était comme ça. Après, avec la loi de 1905, la laïcité, là, elle a dit au revoir au catholicisme. Mais comme ils restent accrochés à leurs valeurs qui ont leur origine dans le catholicisme, mais le mot catholique ou bien le mot chrétien, il ne plaît plus, on le remplace. Par quoi? Par la morale ou par l'éthique. Demandez-leur de vous définir une liste précise de ce qui représente et symbolise la morale ou bien l'éthique, ils en seront incapables. Et ceux qui le feront, ben, comparer ce qu'ils estiment étant faisant partie de la morale ou de l'éthique à ce qu'on trouve dans les principes de base du catholicisme, vous verrez énormément de points communs. Pourquoi? Parce qu'on va dans le Sénat, pas l'Assemblée nationale, vous voyez les députés qui se chamaillent comme des enfants dans une cour de récréation qui passent tous les jours à la télé, ils ont même une chaîne,
Regardez là, des fois, si vous avez rien à faire avec les chips, ça passe bien. Al-Muhim, ils sont là en train de parler, en train de se chamailler, mais c'est pas eux. Eux, ils proposent des lois. Ils les font pas. C'est le Sénat au-dessus qui s'occupe des lois. Et regardez aussi les sénateurs, c'est qui? Il n'y en a pas un qui a en dessous de 60 ans. Il n'y en a pas un. C'est un Français de la France profonde, un Français de souche avec des valeurs françaises de souche. Et vous verrez pourquoi certaines lois elles passent et certaines elles ne passent pas. Ça c'était la Convention européenne. On passe maintenant aux articles français. Donc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, hein, quand on était petit à l'école, ils nous ont appris que 1789 il y a eu la Révolution française, le fameux 14 juillet. Hein, c'est pour ça que le 14 juillet, ils nous cassent les oreilles avec leur feu d'artifice. Donc l'article 10 et l'article 11. L'article 10, il dit quoi? Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ça, c'est des nuances qui sont très importantes. Établi par la loi. Donc c'est la loi qui établit, c'est quoi qui va troubler l'ordre public ou non. Cet article est proposé par Louis de Castellane. L'article 11, qui est plus intéressant pour moi, dit... La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, toujours. Donc on comprend à travers cette lecture qu'il y a des cas déterminés par la loi qui estiment qu'il y a un abus de la liberté d'expression. D'accord ? Cette loi est proposée par le duc Louis-Alexandre de la Rochefoucauld d'Erdanville. Donc on a dit que la loi a donné des exceptions à cette liberté. Donc on retourne encore à la loi, d'accord? Et on trouve des lois comme la loi Guesso, qui n'est pas vieille, à date de 1990. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette loi tend à réprimer tout propos raciste, antisémite ou xénophobe. D'accord? Ça c'est l'intitulé. Maintenant la loi en elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. Ou une religion est interdite. Et même pour eux, c'est pas pareil, ça, ce qu'ils font. Ça rentre pas là-dedans. On insulte le prophète de l'islam, on insulte les musulmans, mais non, ça, ce n'est pas la discrimination. Pourquoi? Parce que eux, la discrimination, ils donnent le sens qu'ils veulent quand ils le veulent. Quand je les arrange, ça a un sens particulier. Et quand ils ne craignent rien, ça a un sens général et global. Petite remarque, moi j'ai toujours été frappé par la différence que l'on trouve dans les propos français, dans la relation qu'on a avec les gens qui ne sont pas de la même espèce ou bien qui sont différents de toi. Alors, tu as le racisme qui a son origine linguistique dans le mot race. C'est le fait d'exprimer une peur ou bien une antipathie à l'égard de quelqu'un qui n'est pas de la même race que toi. Ou bien de prétendre que tu es supérieur à lui par rapport à ta race. C'est plus ou moins la définition que dans les dictionnaires. Xénophobe, qui a son origine du mot xéno en latin qui veut dire étranger, et phobe qui veut dire la peur, c'est la peur de l'étranger. Donc c'est un peu plus particulier, c'est quelqu'un qui n'est pas du même endroit que toi, même s'il a la même race que toi. C'est ça la xénophobie. Donc ça c'est une autre catégorie. Et enfin, l'antisémitisme. L'antisémitisme, mes chers frères, quand on regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on dit? L'antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination, l'hostilité ou les préjugés à l'encontre des juifs, ainsi que les rumeurs répandues à leur sujet. Donc ça ne s'arrête pas à de la haine raciale. C'est plus fort encore. Tu n'as pas le droit d'avoir des préjugés. Tu n'as pas le droit de répandre des rumeurs. C'est encore plus fort que le racisme et la xénophobie. Il s'agit donc d'une forme particulière du racisme. En dépit de l'étymologie, donc la racine verbale du mot, du terme qui suggère que l'antisémitisme est dirigé contre tous les peuples sémites. C'est quoi un peuple sémite, mes frères? C'est pas compliqué, la patrie. C'est les juifs et les arabes. À la base, quand tu insultes un juif ou un arabe, tu as fait de l'antisémitisme. Par contre, va regarder les comiques qui passent à la télé ou bien sur les spectacles, qui passent leur temps à parler des arabes. Ah, les arabes, s'ils sortent des blagues, hein, Sidi Mouloud, je sais pas quoi. Normal, tout le monde se prend la poire, tout le monde rigole à pleines dents, y'a pas de problème. Mais va faire une blague, toi, sur les juifs. Demande à Dieudonné, tu vas voir, on va dire quoi. Et vous êtes sous courant de ces histoires-là. Va faire une blague sur les juifs. Et vous trouverez sur Internet aussi une conversation téléphonique entre Coluche, hein, comment tout le monde connaît Coluche, qui était à une émission télé. Quelqu'un, il l'appelle.
Il lui dit, Coluche, pourquoi tu fais jamais des blagues sur les juifs? Tu fais des blagues sur les arabes et les noirs, tout le monde se rigole, tout le monde rigole, tout le monde est content, mais tu fais jamais de blagues sur les juifs. Il rigolait, et dans toute ça, il a peut-être rigolé. Il a dit, les juifs en France, ils sont intouchables. Ce qu'il a dit, je répète, je ne fais que citer, je cite. Mais bref, donc l'antisémitisme à la base est une discrimination à l'encontre des peuples sémites, qui sont les juifs et les arabes. Et là, t'as la cerise sur le gâteau en pratique. Il est utilisé pour faire référence à l'hostilité envers les juifs comme groupe religieux, racial ou ethnique. Les arabes, ça sert à rien, ça. C'est bon, on peut les traiter, on peut en faire des serpillères, s'essuyer les pieds dessus. Y a pas de problème, t'es néhania. Mais ça, mes frères, c'est notre faute, Allah. C'est notre faute, Allah. C'est comme ça, une fois ils ont montré leur là, j'en prends sa copie, je sais comment il s'appelle, avec un arabe dans une soirée, dans une assemblée, et il disait non, toi, avec un copain arabe à lui, non, toi t'es pas comme eux, toi t'es gentil, t'es comme nous, toi. Et là, hein, Zalil, humilié, vil, comme ça, en train de courber les chinois, en train de rigoler, il est content, hein, je suis content, c'est pas grave, caresse-moi le front, tant que tu donnes l'argent, c'est pas grave à la fin. C'est à cause de ça, que les arabes, on les a effacés, hein, de la société, entre guillemets, française, alors que peut-être, ce sont ceux qui ont le plus contribué à l'évolution économique de ce pays. Et je vais y revenir par la suite, rappelez-vous-en. Donc on apprend à travers toutes ces choses-là qu'en France, la liberté d'expression, c'est vrai. Mais on apprend aussi à travers ces choses-là que la liberté d'expression n'est pas absolue et qu'il reste des contraintes et des restrictions qui peuvent être désignées par la loi. Et on a parmi ces causes qui amène à ces restrictions le respect de la religion d'autrui. Dites-moi, billahi alaykoum, dites-moi, dans quoi il y a un respect dans la religion d'autrui à travers cela? Pourquoi Jacques Chirac en 2006 ou en 2007, il a dit c'est une provocation manifeste? Et aujourd'hui, on entend quoi? Non, c'est la liberté d'expression, non, c'est la liberté de la parole, ça rentre pas là-dedans. Alors, quand tu regardes un peu en France, on nous dit qu'il n'y a pas de censure. On dit qu'il n'y a pas de censure. La liberté, la presse, elle est libre de dire ce qu'elle veut, pas de problème. Pourtant, quand on regarde dans la loi, encore une fois, on trouve des cas particuliers dans lesquels la censure, elle est de rigueur. Par exemple, ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence, lorsqu'il est décrété dans un pays, notamment en France, qu'est-ce qu'ils disent? Par disposition express, le ministre express, ça arrive tout de suite. Le ministre de l'Intérieur et les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile, de jour et de nuit, prendre toute mesure, écoutez bien, pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et de la radio. Ça, c'est en cas d'état d'urgence. Et ça, j'ai pas cherché des heures, hein, parce que j'avais pas le temps, mais j'ai trouvé ça directement. Il y a certains cas en France qui autorisent et qui légitiment la censure. Alors qu'ils nous disent, nous, en France, il n'y a pas de censure. Et d'ailleurs, la France, ils n'aiment pas le mot censure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des systèmes qui reviennent au même, et leur ont donné un autre nom, ce qu'on appelle en bon français le politiquement correct ou encore l'autocensure. Le politiquement correct, qu'est-ce que c'est? Ça désigne une attitude véhiculée par les politiques et les médias qui consiste à adoucir excessivement les formulations qui pourraient heurter un public catégorique. On fait exprès de dire des phrases douces et mielleuses en évitant les sujets épineux pour éviter de heurter certaines personnes. C'est ce qui s'appelle le politiquement correct. Et ça, c'est en général utilisé par les journalistes et les médias de façon générale. On a aussi l'autocensure. L'autocensure, c'est quand le journaliste, lui-même, s'impose des limites. Et ne va pas dépasser certaines frontières, sinon il va tomber dans un terrain glissant et très, très dangereux pour lui. Après, on revient à Charlie Hebdo. Encore un scoop pour vous, mes frères et sœurs. Parce que là, on entend Charlie Hebdo, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, on est avec eux, on est à solidaire, on les aide, il n'y a pas de problème. Ben écoutez, en juillet 2008, Ciné, c'est le nom d'un dessinateur, ou bien d'un chroniqueur dans ce journal, Charlie Hebdo, d'accord? Il a une chronique qui s'appelle Ciné, sème sa zone. Qu'est-ce qu'il fait? Il ironise sur l'ascension de Jean Sarkozy, le fils du président de la République. Il y fait notamment, allusion aux fiançailles de celui-ci, avec l'héritière de confession juive, des fondateurs du groupe Darty. Il fait aussi une allusion à une possible conversion au judaïsme de celui-ci, de Jean Sarkozy. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Ils ont juste dit qu'il monte dans les stratosphères de la politique, M. Jean Sarkozy, et en même temps,
il se fiance avec l'héritière du groupe d'Arty qui est juive, et peut-être, à ce qu'il paraît, Jean Sarkozy va se convertir au judaïsme. D'accord? Et cette rumeur, elle vient d'où? Elle vient d'un homme qui s'appelle Patrick Gobert, président de la LICRA. Revenez bien ça, la LICRA, je vais y revenir tout de suite. Quand l'article, il est sur le point de sortir, il est sorti, l'entourage de Jean Sarkozy signale cette chronique à Claude Askolovitch du Nouvel Observateur, qui la déclare antisémite sur RTL. Allah, je ne vois pas en quoi on trouve dans cela une discrimination, ou bien une atteinte, ou bien une hostilité, ou bien une haine envers les Juifs. Ce n'est que informatif. Je ne vois pas en quoi il y a l'antisémitisme là-dedans. On a juste dit qu'il s'est fiancé avec une femme qui est juive et qu'il est fait se convertir au judaïsme. Même ça, c'est l'antisémitisme. On va agir. Ben, dites-nous directement ce qu'on a le droit de dire et puis on ne dépassera pas ses limites. Même ça, c'est l'antisémitisme. Mais attendez. Donc, ce fameux Askolovitch, alors qu'il était interrogé sur RTL, il déclare que ses propos de la part de Ciné, le chroniqueur du magazine de Charlie Hebdo, il déclare ses propos comme étant antisémites. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Je vous passe les détails. Philippe Val, c'était lui le directeur à l'époque du magazine. Il écrit une lettre d'excuse qu'on lui a demandé de faire. On lui a demandé de faire. Et il demande à ce que ce soit Ciné lui-même qui signe, chose qu'il refuse de faire. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus tard, il est viré. Un peu plus tard, il est viré. Attendez, la LICRA, on revient à la LICRA. Donc celui-là, Patrick Gobert, c'est lui le président de la LICRA, d'accord? Et c'est lui qui a dit à Ciné que peut-être Jean Sarkozy allait se convertir au judaïsme, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font la LICRA? La LICRA, c'est un sigle qui signifie la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, parce qu'on a dit que c'était pas pareil. Un pas en noir, un pas en chinois, un pas en arabe, c'est pas bien. Un pas en juif, c'est impardonnable. D'accord? Donc la LICRA, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent les propos de Ciné indignes. Et appelle à la plus vive et la plus méprisante indignation. Ça, c'est le président qui a balancé, excusez-moi le terme, qui a dénoncé, qui a informé Ciné de la possible conversion de Jean Sarkozy au judaïsme. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il porte plainte. Il porte plainte contre Ciné. Après, pendant des années, l'affaire elle tourne dans les tribunaux jusqu'à la fin. Il est relaxé. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il dit? La LICRA, qu'est-ce qu'elle dit dans sa plaidoirie? Elle dit Maurice Ciné, donc ce fameux chroniqueur, a délibérément incité ses lecteurs à la haine, écoutez bien, vis-à-vis des musulmans et des juifs. Où sont les musulmans là-dedans? En quoi ils sont concernés par cette histoire, les musulmans? Alors, quand on parle de Jean Sarkozy, peut-être parce qu'on va tirer du judaïsme, à nous, ça, ils pensent à nous. Je vois pas en quoi il y a un lien, je vois pas, je comprends pas. Mais quand ils caricaturent le prophète, ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Et juste d'ailleurs, on revient à la LICRA, toujours cette fameuse ligue. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Vous avez vu la LICRA, qu'est-ce qu'ils disent dans leur site? Ils ont un site, toutes les couleurs. Aujourd'hui, la LICRA défend farouchement Charlie Hebdo, en prétextant, je cite, et ses propos sont dans leur site, vous pouvez les retrouver. Pour la LICRA, écoutez bien, voilà, c'est aberrant dans une société qui se prétend être des philosophes, des intellectuels, des gens cultivés, des gens intelligents, d'entendre des phrases aussi débiles. Pour la LICRA, les trois lances ne doivent pas échapper à la critique, à la dérision, au ridicule, à la caricature. Les seules et uniques limites que l'on pose à cette liberté, à cette libre expression, sont celles du droit. Hein? Et le blasphème ne saurait être amalgamé à une forme quelconque de racisme, sauf à entrer en contradiction avec le principe selon lequel les lois protègent les individus et non les religions. Donc pour eux, les lois ne protègent pas les religions, c'est bizarre. Quand on a lu les lois des articles tout à l'heure, ils précisaient bien les religions. Et jusqu'à aujourd'hui, ces articles-là n'ont pas été abrogés ou modifiés ou changés. C'est agi pourtant. Vous vous souvenez de la loi de Guesson qu'on a citée tout à l'heure? Elle a dit « Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion est interdite. » C'est dans leur loi, leur propre loi. Alors c'est pas compliqué. Soit pour eux, l'islam, c'est pas une religion. Donc on a le droit de la sortir de cette généralité. Ou soit... Pour eux, ça n'a tellement pas de valeur qu'on peut en faire ce qu'on veut, et après, qu'est-ce qu'il y a? Et juste une petite remarque, entre guillemets, marrante, qui m'a fait rigoler tout à l'heure quand j'étais sur Internet. Tapez LICRA sur Google. Allez dans Google, et tapez LICRA dans la barre de recherche. Donc, vous aurez une page avec plein de résultats différents. Quand vous arrivez en bas de la page, avant de pouvoir passer à la page suivante, vous avez une remarque assez étrange. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'est Google qui l'écrit. Ils disent, en réponse à une demande légale adressée à Google, nous avons retiré un résultat de cette page.
Et j'aime bien parce que le résultat, ils ont mis entre parenthèses, c'est un résultat. Ils ont mis entre parenthèses à la fin un résultat, un S. Donc ce serait possible que 1, en fait, c'est plus que 1. Mais c'est ambigu. Après, ils disent, si vous souhaitez en savoir plus sur cette demande, vous pouvez consulter le site chagrineffects.org. Bien que sur ce site-là, c'est un site anglais, comme quoi il y a des plaintes qui ont été portées contre Google pour la diffusion de certains sites. Qui pourraient diffamer, bien faire diffamation, pardon, à la LICRA. Liberté d'expression ? Pas de censure en France ? Je ne crois pas. Et je sais que vous en pensez la même chose. Mais Allah Ta'ala, il a promis que la vérité, elle éclatera. Et ça, on va en parler tout de suite dans la seconde repas. Après le matin, c'est un astaghfirullah, alayhi wa lakum, astaghfirullah, wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, après tout ça, et wallah, ça me fait autant mal au cœur de vous m'entendre dire ces choses-là que moi d'en parler. Mais il faut faire ces choses-là. Et j'espère que cette route bas tournera sur un net et que tous les musulmans les écouteront et qu'ils comprendront à quel point on se moque de nous ici. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a montré à quel point c'était toute cette histoire-là, c'est simple. Trois raisons, pas plus, qui ont poussé les gens à faire ces choses-là. Premièrement, renflouer les caisses de Charlie Hebdo, ça qui nous a besoin d'argent. Les pauvres. Deuxièmement, une magouille politique. Je reprends les mots qui se disent à la télé, moi j'ai pas peur, je m'en fiche, j'ai bien français, je suis né en France. D'accord ? Alors s'ils ont le droit de parler, moi aussi j'ai le droit de parler. Taille. Magouille politique, c'est-à-dire, c'est bientôt les élections présidentielles. D'accord ? Alors on fait voir la montée d'insécurité, comme c'est la tradition politique en France, avant les élections présidentielles, pour faire peur aux Français. Après, on préconise des mesures draconiennes pour lutter contre cette insécurité, en notamment la délinquance dans les banlieues, et ainsi de suite. Et aussi, on met le doigt où ça fait mal sur l'islam et les musulmans. D'accord ? Et c'est la troisième, d'ailleurs, des causes qui a poussé à faire tout ça, c'est la stigmatisation, une fois de plus, des musulmans. Mais, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit tous prendre des cocktails molotov et aller brûler les trucs ? Non. Est-ce qu'on doit faire des manifestations et jeter des pavés sur les CRS ? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Écoute ce qu'Allah dit dans le Coran. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé, là, là, c'est ce prophète, alayhi salatu wasalam, exprime et montre ce qui t'a été révélé aux yeux de tout le monde. Wa a'rid 'ani al-mushrikeen, et détourne-toi des associateurs. Laissez. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Écoutez ce verset. C'est Allah Ta'ala qui parle. Min fawqi sab'i samawat, au-dessus de ses sept cieux. Celui qui voit et qui entend. Le fort, le puissant. Celui à qui rien ni personne ne résiste. Nous avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs, des moqueurs. Et ça a été éprouvé durant le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, même après sa mort. Qui sont ces railleurs? Ceux qui associent à Allah d'autres divinités. Mais ils seront bientôt. Bientôt ils seront, mes frères. Et quand on regarde la tradition d'Allah azza wa jal dans sa création, quand on regarde comment les prophètes ont été maltraités durant leur mission prophétique, leur mission de prêche, quand on regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala nous cite et nous informe comment les mécréants de Quraysh et les autres insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devant lui, sahirun kazzab, sha'irun kahin, majnoun. C'est ça qu'ils ont dit du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont dit, c'est un sorcier, c'est un menteur, c'est un fou, c'est un devin, c'est un poète. Ils l'ont insulté. Il y en a qui ont été crachés à son visage, alayhi salatu wassalam. Il y en a qui l'ont frappé, alayhi salatu wassalam. Alors qu'il est en prosternation devant la Kaaba, on lui a mis sur le dos le placenta d'une chamelle qui avait mis bas quelques jours avant. Et Allah Ta'ala, il lui dit, inna kafaynaka al-mustahzi'in. On s'occupe d'eux. On te défend par rapport à eux. C'est comme ça. Il n'y a pas un prophète qui fut envoyé à son peuple sans qu'il ne subit de leur part du mal, sans qu'il ne subit de leur part des tortures diverses, qu'elles soient verbales ou autres. Et nous, mes frères, et nous, mes sœurs, aujourd'hui, c'est nous qui représentons l'islam.
Et notre simple présence parmi eux les rend malades et les rend fous de rage. Mais ils sont bloqués par les propres lois qu'ils ont eux-mêmes faites. Et ils ne peuvent pas faire comme ils faisaient avant. Voilà le retour à l'histoire. En 1492, en Espagne, ils ont jeté les juifs qui y habitaient. Il y en a plein qui y restaient. Sachez que 1492 est l'année dans laquelle Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et sachez aussi que ce n'était pas longtemps après qu'ils aient chassé les musulmans de l'Andalousie. Et sachez qu'il n'y a pas une période sur Terre depuis le début de l'humanité dans laquelle les juifs, les chrétiens et les musulmans ont réussi à cohabiter, si ce n'est lorsque les musulmans avaient le pouvoir en Andalousie. Et ces choses-là, c'est dans l'histoire. C'est pas moi qui les ai inventées. Je les ai parlé dans des livres que personne ne connaît. Il s'est prouvé dans leurs propres ouvrages. En Angleterre, en 1990, ils ont évincé aussi tous les juifs qu'il y avait. En Angleterre, en 1290, et dernièrement en Allemagne, avec la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez tous. Dernièrement en Allemagne, avec la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez tous. Après, on nous met sur le dos à nous le crime, ou bien la culpabilité de ces crimes-là. Voilà, subhanallah. Ya subhanallah. Retournez à l'histoire, vous verrez que ce qui les gêne, c'est pas ce qu'ils prétendent. C'est juste que vous soyez là parmi eux. C'est juste que vous soyez là parmi eux. Et quand on regarde dans le Coran, wallahi, c'est impressionnant. Si seulement on revenait au Coran, mes frères, et on réfléchissait bien au Coran, on se rendrait compte à quel point cette histoire, en vrai, elle est dérisoire. On a dit qu'ils insultaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de tuer les autres prophètes aussi. Ils ont jeté Ibrahim dans le feu. Ils ont, d'après certains historiens, décapité Yahya. J'en passe et d'autres. Mais pire que ça, mes frères, ils ont insulté Allah, Jalla wa Ala. Ils ont insulté le Créateur, le Roi, le Souverain, celui qui les a fait vivre, celui qui les nourrit. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, est patiente. Prodigue, alayhi salatu wa salam, la ahad asbar ala al-adha min Allah, Jalla wa Ala. Il n'y a personne qui est patiente plus sur les nuisances qu'Allah, Jalla wa Ala. Allah dit dans le hadith, la quote aussi, yasubbun ibn Adam, wa lam yakul lahu dhalik. Ils m'insultent alors qu'il n'a pas à faire cela. Ils ont insulté Allah, mes frères. Ils ont insulté le prophète depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce que le prophète il doit? Il fait, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète Allah en parlant du prophète, alayhi salatu wassalam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde envers les mondes. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Et tu es certes d'un comportement magnifique, grandiose. Wallahi, mes frères, je me suis posé la question. Je me suis demandé si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui. Et que ces gens-là qui l'ont insulté et qui se sont moqués de lui seraient venus le voir pour s'excuser. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il leur aurait répondu. Bien, vous savez quoi, j'en suis sûr, il leur aurait pardonné. J'en suis sûr, il leur aurait pardonné. Et la Sunna nous enseigne cela. Al-Bayhaqi rapporte, ainsi qu'Ibn al-Jawzi et Ibn Abi Dunya, que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est revenu à la Mecque triomphant et conquérant, 9 ans après s'être fait chasser par ses habitants, il a réuni les Mécois et leur a dit, ma taquloun wa ma tadhunnoun, que dites-vous et que pensez-vous? Qalu naqulu ibnu al-akh ibnu akh wa ibnu am halib. Nous disons le fils d'un frère et le fils d'un oncle, doux et miséricordieux. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Il leur a dit, je vous réponds comme Youssouf a dit à son père, à ses frères, après qu'ils l'ont jeté dans le trou du puits, après qu'ils ont essayé, qu'ils ont menti à son père, après qu'ils l'ont séparé de son père. Youssouf, il leur a dit, alayhi salam, nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Allah, qu'Allah vous pardonne, car il est certes le plus miséricordieux de miséricordieux. Pourquoi tu as dit ça à des gens qui l'ont insulté, qui l'ont frappé, qui l'ont combattu, qui l'ont détesté? Lorsque les gens entendent dire cela, فَخَرَجُوا فَكَأَنَّمَا نُشِرُوا مِنَ الْقُبُورِ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. Lorsqu'ils entendent dire cela,
C'est comme s'ils sortaient de leur tombe. C'est comme si on leur avait rendu la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils rentrèrent tous dans l'islam. Ils rentrèrent tous dans l'islam. Mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez assistance dans la patience et dans la prière. Mes frères, recherchez l'aide d'Allah dans la taqwa, la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Et sachez que c'est à travers cela qu'on gagnera, mes frères. Wallahi, quand nous tous, on jeûnera en dehors du Ramadan, quand nous tous, on remplira les mosquées en dehors du Tarawih et de Ramadan et de Jumu'ah et de l'Eid, quand nous tous, on n'aura pas honte de porter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous tous, on mettra de côté les différents qu'on a les uns envers les autres, marocains, algériens, tunisiens, maliens, sénégalais ou autres, et qu'on se rappellera qu'on a avant tout ça des musulmans, quand nous tous on fera ça, wallah, on gagnera sans rien faire, sans lever le petit doigt. Wallahi, j'ai entendu des sociologues qui disent, ils donnent entre 30 et 50 ans pour que l'Europe devienne musulmane. Ça, c'est leur parole à eux. Ils disent, et c'est pour ça qu'ils veulent stopper l'immigration ou bien la limiter. Parce que c'est que des musulmans qui disent. Et aussi en termes démographiques, il n'y a que des musulmans qui font des enfants. S'ils comptent aussi les conversions, qui n'arrivent pas à quantifier réellement. Ils ne savent pas combien de personnes se convertissent à l'islam. Donc c'est approximatif les chiffres qu'ils donnent. Mais ces trois choses-là, mes frères, l'immigration, la démographie, les naissances, et enfin, les conversions, Khalilhum 40 sana, ils sont tous musulmans, Inch'Allah. Laisse-leur 40 ans, 50 ans, tu verras il y aura des musulmans en France, sans faire la guerre, sans tuer qui que ce soit, sans rien faire. Il pleut, je sais, il pleut, je sais. Ne dis pas il pleut. Je sais, barakallahu fik. Et si vous écoutez ce hadith dans lequel le prophète dit, alayhi salatu wassalam, tazawwaju al-wadud al-walud, fa'inni mukathirun bikum al-umam. Mariez-vous à la femme affectueuse et fertile, afin que je m'enorgueillisse auprès des communautés le jour du jugement, du nombre de la mienne. Mariez-vous, mes frères, et ayez beaucoup d'enfants. Multipliez les naissances avant qu'ils nous sortent une loi comme ils ont fait en Chine, qui nous limitera à un seul enfant par foyer. Mes frères, faites vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez combattre ces choses-là? Pas de pavés dans les vitres, pas de cocktail molotov dans les magasins, pas de manifestations, on n'appelle pas à ça. On n'appelle pas non plus à notre suicide, ou bien à des guerres bizarres qui n'ont pas de sens, on n'appelle pas à ça. Parce qu'on sait que ça sert à rien. Nous, on appelle à une réponse intelligente. Revenez à votre religion, mes frères. Soyez fiers de votre religion, mes frères. Faites revivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères. Et appelez Allah, azza wa jal. Appelez les gens autour de vous. Comment ça se fait qu'il y a des gens autour de vous qui vivent moi tous les jours et qui n'ont jamais rien entendu de l'islam? Comment ça se fait? Allah, dans le Coran, ud'u ila sabili rabbik. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Appelle au chemin de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation et débat avec eux de la meilleure façon. Et enfin, mes frères, je finirai ce prêche et je m'excuse d'avoir tardé par ce hadith rapporté par Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid d'après Tamim al-Tali رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مطر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر. Cette nouvelle de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il y a cette religion qui est notre frère, elle atteindra tout ce qui a été atteint par le jour et la nuit. Il n'y a pas un endroit sur terre qui ne sera pas touché par l'islam. Il n'y a pas une demeure sur terre, une maison, qu'elle soit construite en briques, en terre sèche, ou bien des tentes, avec de la peau d'animaux, sans que l'islam ne rentrera dans ces maisons-là. Soit avec la force de quelqu'un de fort, ou bien soit encore avec la faiblesse de quelqu'un de faible. C'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, soyez confiants, mes frères, et ne vous souciez pas de ces gens qui ne cherchent que leur profit à travers ces attaques, et sachez qu'avec nous, on a le meilleur des alliés, et le plus fort, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah ne s'allie pas avec n'importe qui. Inna waliya Allah. Ala inna awliya Allah ila khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les alliés d'Allah, ils n'ont pas à avoir peur et ils n'ont pas à être tristes. Qui sont-ils? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Tu veux être allié d'Allah? Tu veux qu'Allah soit le tien? Crois en lui fermement, sans aucun doute, et accroche-toi à ses ordres sans les délaisser et crains-le. إن بدرة السكون نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بنصره. اللهم امن علينا بنصرك
اللهم انصرنا، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وسنته والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعمي أبصارهم، اللهم شل أركانهم، اللهم أفقدهم عقولهم، اللهم اذبحهم في قعر بيوتهم، اللهم حطم ظهورهم، اللهم اقطع أطراف أصابعهم، اللهم أرحنا والعباد والبلاد من شرهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم سلط عليهم من الأمراض ما يكون هالكا في حقهم. اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم لعنهم، اللهم لعنهم، اللهم لعنهم، اللهم اقطع البركة عليهم، اللهم اقطع البركة عليهم. اللهم أرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وبني بن خلف. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا الله إنا عبيدك ضعفاء، اللهم يا الله إنا عبيدك ضعفاء، أيدينا مربوطة، أيدينا مربوطة وقوتنا عاجزة. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين وأينعت رؤوس المجرمين واشتد عداء الملحدين. اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصلة ترفع بها ذلنا، ترفع بها ذلنا، ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا ومكانتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واجعلنا ممن ينصره. اللهم اجعلنا ممن ينصره، اللهم اجعلنا ممن ينصره وسنته، اللهم اجعلنا ممن يفتخر باتباع سنته يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن يمن الشيطان، والله ورسوله منهم من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقامت الصلاة، فقامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا وقيموا صفوفكم ولا تختلفوا سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما صليت علينا كما باركت اللهم انا نعبدك ونشكرك اللهم انا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام